Excellency, Ambassador Mauro Vieira, Minister of State in charge of External Relations of Brazil, through whom I warmly welcome the presence of ambassadors, senior officials of the Ministry of External Relations of the Federative Republic of Brazil, Brazilian business executives, excellencies, African ambassadors accredited to Brazil here present, high African dignitaries and other dignitaries from other regions, business executives. Ladies and gentlemen, Brazilian and African economic operators, as I begin my remarks, allow me also to warmly welcome the initiative of the Brazil-African Forum, entre le Brésil et l'Afrique, which opens today. Pour la deuxième édition où nous sommes aujourd'hui, dans cette structure idéale pour le dialogue, l'échange et la promotion d'un partenariat gagnant-gagnant parmi ces peuples qui sont séparés par l'Atlantique. En fait, à chaque année, des représentants de haut niveau, des gouvernements, des institutions bancaires, des opérateurs financiers, des membres de la société civile travaille pour la configuration d'une cartographie économique entre le Brésil et l'Afrique. Mesdames et messieurs, cette deuxième édition par rapport à l'infrastructure et l'investissement pour le développement durable entre le Brésil et l'Afrique, on ne pouvait pas souligner davantage que cette équipe apporte tous ces thèmes qui soulèvent des questions pour le développement durable entre le Brésil et aussi, il faut dire que notre industrie, les défis logistiques et les solutions pour la production soit au Brésil, soit en Afrique. L'énergie renouvelable qui est primordiale pour la construction d'un futur, des partenariats publics, des investissements sur l'infrastructure. L'intelligence artificielle va promouvoir l'inclusion digitale et financière aussi, des opportunités entre le Brésil et l'Afrique, y compris les transports aériens et maritimes, en faisant cette connexion entre les pays et apportant des réponses aux pays du sud global, ainsi que la prospérité financière et stratégique qui encourage des investissements en infrastructures en Afrique. Le rôle des institutions financières et les investissements sur l'infrastructure et le développement, ainsi qu'au futur de la minération et aux perspectives globales qui incluent des défis globaux. En fait, la question de l'infrastructure est là une importance centrale toujours pour le développement de l'Afrique. Pour cela, permettez-moi de citer ici un autre point de l'Union africaine, son agenda pour 2063, qui souligne le besoin de l'Afrique à offrir une infrastructure dans toute l'Afrique pour améliorer la connectivité et les initiatives mobiles pour la connexion entre les continents dans tous les secteurs, soit maritimes, aériennes, terrestres, en apportant des informations en communication et technologie. L'Union africaine travaille aussi pour mettre en place un agenda continental en 2036 afin de promouvoir le renforcement de l'infrastructure tel qu'un programme
a common framework pour le développement de l'infrastructure en Afrique qui permette les stakeholders d'Afrique de construire l'infrastructure nécessaire pour un réseau plus intégré qui va au-delà de l'ICT jusqu'à l'eau et qui apporte une croissance et des emplois, soit au Brésil, soit en Afrique. Des investissements en infrastructure sur l'infrastructure soutenable constituent la possibilité de croissance économique et significativement de réduire l'inégalité sociale. Les partenariats entre le Brésil et l'Afrique se sont développés de manière indépendante avec l'insertion des différents entreprises pour le développement de cette infrastructure au Brésil et l'Afrique. Avec le dynamisme des opérations dans le Sud, les pays africains presque toujours sont appuyés par des initiatives des organismes internationaux. Professeur Monte, fondateur et président de l'Institut Brésil-Afrique, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Mesdames et Messieurs, l'Afrique croit plus que jamais à ce partenariat avec le Brésil. En 2021, le Brésil et l'Afrique ont atteint 16 milliards de dollars américains. Avec une croissance de presque 40%, et cette croissance a été maintenue en 2023. Cependant, nous croyons que nous pouvons faire mieux. L'Afrique est consciente de la réalité brésilienne et aussi l'importance des politiques de transfert de technologies, surtout au moyen des coopérations, des agences de coopération du Brésil. Toutefois, dans cette structure privée, des partenariats publics sont grandement désirables et que les banques nationales pour le développement économique du Brésil, le BNDES, considèrent les arrangements, l'ouverture de lignes de crédit qui bénéficient du groupe majoritaire brésilien afin de faciliter et rendre plus sûre la durabilité des investissements en Afrique. Et pour autant, là, on peut voir des liens gagnants entre le Brésil et l'Afrique avec la formule que nous avons déjà avec ces trois P, que c'est profond, privilégié et prometteur. Merci beaucoup de votre attention. I'd like to invite also Professor João Bosco Monte to be here to thank the ambassador for this moment that we just had.